La météo avec Marlène Durek. Qui est bien là, Marlène, demain comme prévu, de la pluie et des orages au programme. Oui, on a un ruban pluvieux qui se déroule en ce moment sur l'ouest du pays. Et ce soir, notez que des orages pourront éclater sur les Pyrénées centrales avant de déborder sur les plaines environnantes, entre Tarbes et Agen, a priori. Et puis, une nouvelle réactivation dans la nuit avec des pluies plus soutenues dans le centre-Val de Loire. Et elle devrait arriver en région parisienne vers 6h ou 7h, 8h tout au plus, avant de poursuivre vers la Champagne-Ardenne. Et ce cordon pluvieux va s'accompagner d'air frais et il va avancer très lentement, laborieusement vers l'est. En journée, on va retrouver donc ce grand cordon pluvieux entre les Pyrénées et la frontière belge en passant par l'Auvergne et la Bourgogne. Ces pluies sont bénéfiques évidemment pour les sols, pour nos jardins. En revanche, là où on a de l'air chaud dans l'est, sachez qu'il fera quand même 31 à Strasbourg, 32 à Lyon et à Grenoble, au contact de l'air frais, oui, évidemment, de violents orages sont à redouter en toute fin de journée, depuis l'Auvergne vers la région lyonnaise, la Franche-Comté et l'Alsace. Alors l'après-midi, les thermomètres grimperont jusqu'à 27 à 32 degrés de l'ouest de la Lorraine et de l'Alsace en allant vers l'est de Rhône-Alpes, avant les orages évidemment. Autour de la Méditerranée, comptez 26 à 32 degrés, puis ailleurs les températures sont vraiment en baisse, pas plus de 16 à 22, 16 à Nevers par exemple, 17 à Lille, 18 à Agen, 19 à Toulouse comme à Paris et 20 degrés à Rennes. Merci beaucoup, Marlène.